C'est pas dur, hein. Alors, ça va mal. Comment une bise, hein. Allez-y. Oui, champignons noirs, Zali. Oui, ça, en arachide. Voilà, la voilà, on a dit que ça fait même du lait. Hein. On prépare avec du lait dans la transformation. On fait des lait pour l'enfant. Et ici, c'est très bon pour la santé. On a mis là, même les mains, les hommes, les prostates, ça soit les prostates. Ça, c'est très intéressant. Ah, ouais. Oui, et puis. C'est en même temps médical. Ça, c'est les fonds bois aussi. C'est bien emballé. Merci. C'est séché dans la machine des embrasseurs. J'ai une petite machine à la maison qui fait sécher le lait, tous les légumes à l'envers. Après ce soir, il faut donc vous mobiliser nombreuses, pour qu'on puisse la voir. Elles sont là. Et après, on va vous mettre en contact avec tous les secteurs de marché, tous les villes. Internet d'abord. Et après, on va trouver les moyens de leur imposer nos produits dans les supermarchés. Maman, c'est Gérard, moi je suis là, on va vous recevoir avec le secrétaire général, les DG de l'ECC et les DG de l'ANAPEX, n'est-ce pas, pour que nous puissions régler tous ces détails. Nous sommes le CIPA, le Conseil interprofessionnel pour la promotion de l'agriculture, et nous accompagnons particulièrement ceux qui sont dans les filières de café et de cacao. Voilà, nous avons amené quelques-unes ces champions du café. Ça, c'est déjà du café torréfié. Et ça, c'est du café vert en torréfié. Nous avons là le café qui vient. Ça, on peut le consommer comme ça. Oui, vous avez déjà des paquets. Nous avons aussi quelqu'un qui transforme. Ça, c'est au kiff de confiance. Oui, ça, c'est bon. Oui, c'est quelqu'un qui a vraiment fait ça. Et là, nous avons la poudre de baoba. Nous avons une de nos adhérentes qui fait la poudre de baoba. C'est ça la poudre? C'est un jus qu'elle fait qui aide les pâtissiers. On fait même des jus, hein? Oui, elle fait du jus. Ce sont les jeunes entrepreneurs que nous recrutons et nous auto-autonomisons. En fait, ils créent. Il y a du miel de Kivu. Il y a aussi le cacao. Ils transforment ça en poudre. Puis aussi le grain de chia qui aide pour dégraisser et tout. Aussi le beurre de karité pour la peau, les cheveux et tout ça. Alors voilà, le beurre de poudre de chia et ça. Mais vous aurez les clients ici. Oui, c'est pour le. Il faut lui expliquer ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Oh. Oui. Moi j'ai essayé ça à un moment donné, j'ai perdu de ça. C'est intéressant. Et la poudre de cacao aussi, ça vous aide à vous relaxer. En fait, après, pour le soir après une longue journée, vous pouvez faire votre thé avec un peu de cacao pour l'été, vous relaxer et vous pouvez vous endormir. L'emballage, ça les conserve pendant combien de temps? Ça peut se conserver pendant une année. Une année. Oui, oui. Mais est-ce que vous mettez les dates d'expiration? Oui. Ah oui, tu n'étais pas là, on a parlé de tout en ton absence. Oui, nous étions là, donc ça ce sont des vins, Si on a le vin à base de feuilles d'avocatier, ouais. Là on a le vin à base de. Donc ce que nous on fait, c'est le vin. Qui a imaginé ça? Oui, c'est celui-là de concours. Vous-même? Oui, avec ça on est arrivé à remporter des concours. Tu es chemise de formation? Non, j'ai travaillé avec des chemises. Je ne suis pas chemise de formation, je fais le vin avec ça. On arrive à remporter par exemple des concours avec les startups en France. Nous d'ailleurs, on nous a offert un stand en 2020 au salon international. Donc, là, il faut écrire au ministère du Commerce. Déjà, il faut saisir le ministère du Commerce pour qu'il puisse aussi l'Agence nationale des promotions d'exportation. Quand les données sont là, cette échéance soit encadrée par l'État. Donc je ne serai pas le seul à pouvoir comprendre le projet de l'État de l'État. Vous êtes en train de faire là. Nous échangeons avec le retour au pays, de sorte que cet accompagnement soit fait. Alors, comme c'est le vin d'habitude, on passe sur la station. Si quelques personnes veulent rester avec plaisir. Je vais essayer, même si je ne suis pas très fort. On va passer.
Non. Je suis en train de poser une question sur les mêmes inspirations. Non, c'est comme tous les vins blancs avec. Ah oui, c'est plus ça dure. C'est ça. Donc, c'est les échantillons sont. On a même réussi la visite de Toulouse parce qu'on a été des business, c'est beaucoup Pierre Castel. Et même l'équipe technique de Pierre Castel est venue nous visiter. On a eu un contact. C'était même senti avec les tests. C'est bon. Si les conseils agricoles, donc les conseils, les techniques agricoles, comment cultiver, et tout ça, ça fonctionne via le réseau d'un téléphone mobile. Et s'il y a des très innovants avec ces solutions, ça fonctionne avec sa connexion internet. Puisque la majorité des petits producteurs n'ont pas des téléphones, des smartphones, ont des téléphones de 3G et n'ont pas connecté. Maintenant, on a pensé à innover en mettant un système qui fonctionne avec les SMS et les systèmes USSD. USSD, je peux faire réaliser avec, si vous avez déjà utilisé le mobile mail, si vous tapez étoile, il y a des menus, et c'est ça que la plateforme fonctionne. Et actuellement, nous avons plus de 7000 producteurs que nous accompagnons. Nous sommes dans 4 territoires. Et cette innovation a déjà eu plusieurs prix d'innovation à l'international. On a fait un prix à Paris, au fond de la RDC. Et aussi, le chef de l'État est passé à notre bureau pour visiter notre solution et nos résultats dans ce sens de la digitalisation, etc. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est ça l'image qui nous impressionne que nous faisons. Ça, ce sont des producteurs. Ça, c'est les téléphones DG. Donc, pour connecter les producteurs, il y a nos services. Connecter les producteurs au marché, information. Physique, il faut envoyer les éléments pour rester un moment dans la zone d'innovation. Non, il y avait ce mal d'une jeune dame. Le président avait demandé qu'on l'a vu. Je crois qu'il parlait de vous. Après, il m'a dit un jeune dans le nom de vous. Je crois que ça doit être votre côté. Il faudrait donc prendre son contact, vous mettre en contact avec la main pour voir, même si c'est déplacé par, mais connaître les éléments sur ce qu'ils font et si c'est possible de les déplacer, on va les déplacer. C'est ça, vous connaissez rien de ça. Ça va ? Ça va. Ça, c'est toute l'installation de tous les sous dans l'instant de production. Souvent, c'est souvent ça le vrai problème. Chacun, après avoir pris son niveau, il commence déjà à...